sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Oh oui, on y danse tous en rond. On y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Oh yeah. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Excusez-moi, messieurs. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Monsieur ta... ah, oui, qui ça? Puis-je vous parler un instant? Pardon? Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez ma corde à linge. Ah! Oui, c'est moi qui ai tant le linge ici. Permettez-moi d'abord de me présenter, je suis Antoinette des Cadilles. Infirmière de profession, amie des lettres et des arts, et également votre voisine, car j'habite également cet immeuble. Enchantée de faire votre connaissance, madame Pécadille. Je me présente, je suis Pouille tout court. Adorateur, liseur et regardeur de bande dessinée. Et puisque tu me le proposes si gentiment, moi aussi je veux bien être ton voisin. Mon cher voisin, sauvez-moi la vie. Vous seul pouvez m'aider. Voyez-vous, j'habite seul avec Totoche et mes fonctions m'obligent à quitter la maison pour quelques heures. Et je ne peux pas laisser Totoche tout seul car il souffre actuellement d'une terrible laryngite et s'en trouve extrêmement affaibli. Alors vous comprenez que je préfère ne pas le laisser seul. Il est si sensible. Il s'ennuie à rien. Oh, Totoche est toute ma vie, vous savez. Oh, s'il fallait qu'il lui arrive quelque chose, je crois que je ne m'en remettrai jamais. Je crois que je... Mais venons en fait. Monsieur Pouille, auriez-vous l'extrême gentillesse de me le garder pour quelques heures? Je vous en serais éternellement reconnaissant. Si ça peut vous faire plaisir. Oh, merci, merci. Oh, je suis sûre que vous allez très bien vous entendre tous les deux. Merci mille fois, monsieur Pouille. Je vais chercher Totoche immédiatement. C'est ça, je vais vous rejoindre en bas, hein? Oui. Bizarre comme tout, la petite dame. J'arrive. C'est ça, Totoche. Mais oui, c'est mon perroquet parleur. Totoche, je te présente Pouille, notre voisin du dessous. Oui. Est-ce qu'il parle? Mais oui, je lui ai appris les grands poèmes de la littérature classique. Vous allez voir, Totoche est très très cultivé, c'est un être d'exception. Bonjour, Totoche. Mon petit Pouille, je vous donne ici ma liste de recommandations. Vous allez voir, Totoche est très facile à vivre. Oui, mon Totoche. Eh bien, voilà. Vous allez voir, c'est tout simple. Mais ça alors.
des grands pieds. Pardon? Ça a des grands pieds. Oh yeah! Qui c'est qui a parlé? J'ai dit t'as des grands pieds, t'es sourde ou quoi? Pouille, tu n'es vraiment pas drôle. Pouille, t'es pas drôle et toi, t'as des grands pieds. Non mais dis donc, espèce de rien du tout. T'as des grands pieds, oh Pouille, yeah. Ça suffit. Oh, quelle drôle de bête. Pouille, c'est assez, j'en ai assez entendu. Mais encore celui-là, t'as des grands pieds. Pouille. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un peu fini de m'insulter comme ça? Hein? Pouille, ne fais pas l'innocent. Mais j'ai rien fait, moi! J'exige des excuses. Mais je te dis, j'ai rien dit, Fripp! Tu as dit que j'avais des grands pieds, alors j'exige des excuses. Ma! Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait là, cet oiseau-là? Ça, c'est Totoche! Totoche, je te présente Fripp. Qui c'est ça, Totoche? Oh, c'est le perroquet de la voisine, Madame Peccadi. Et qui c'est ça, Madame Peccadi? C'est la voisine du dessus. Je l'ai rencontrée sur le toit tout à l'heure. Qui n'empêche pas que t'as des grands pieds? Mais c'est lui qui m'insulte. Mais non, c'est des grands poèmes de la littérature classique. Des grands poèmes de la littérature classique. Oui, madame. Mais c'est pas comme ça que je les imaginais. T'as des grands pieds. Non, mais dis donc, espèce de mal emplumé, faudrait surtout pas gêner, hein. Attention, voilà, hein. Voilà, oh yeah. J'ai promis à madame Peccadi que je lui ferai attention, parce qu'elle devait partir et elle voulait pas le laisser seul, parce que c'est un être très sensible. Il m'a donné d'ailleurs une liste de recommandations. Premièrement, Totoche ne doit pas être exposé à la poussière, au soleil, au courant d'air, à l'air marin, 19 degrés, température, dans la maison, la sieste à 4h30, ensuite il faut qu'il sa sieste à 4h30, il ne faut pas oublier non plus l'air marin, les courants d'air, il est nerveux, fais attention, il est nerveux. Ça va? Oui, ça va. Hein? Alors, si j'ai bien compris, il faut que nous nous occupions du perroquet de la voisine. Oui, j'ai promis de m'en occuper comme la prunelle de mes yeux. Oh, ne t'en fais pas. Nous allons nous en occuper de tante Totoche. D'ailleurs, il est si mine. Totoche! Il s'est envolé! Il a disparu! La trappe est ouverte! Totoche! Aide-moi! Aide-moi, Totoche! Ne t'en fais pas! Nous allons le retrouver! Allons sur le toit! Totoche va s'envoler! Totoche va s'envoler! Bouge pas, ma petite Totoche! Faut pas y s'en venir chercher! C'est le vertige, Fripp! Oui, descends de là! Je peux pas, j'ai le vertige! Mais que veux-tu que je fasse, Pouille? Viens me chercher! Oh. Oh. Je te jure! Arrête, tu me chatouilles! Mais Pouille, ne bouge pas! Arrête, ça me chatouille, Fripp! Pouille, ne bouge pas, tu vas faire peur à ta tête! Totoche va s'envoler, Totoche va s'envoler, oh yeah! Viens, Totoche, viens ici! Oh. Est-ce que tu l'as attrapé, Fripp? Il vient de s'envoler! Oh, Fripp, je glisse! Oh non, oui, je t'interdis de glisser! Oh, je te dis! Pouille! Pouille! Ça va? Maman, les petits oiseaux qui volent là-haut ont-ils des ailes? Oh yeah! Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, Madame Peccadi? Totoche, c'était son meilleur copain!
Si je lui dis que je l'ai perdu, elle sera triste, non, comme ça. Pouy, il va falloir lui dire la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais? Je change de pays, Flip. Pouy, ne sois pas bête. Il va falloir dire à Madame Peccadi que nous avons perdu son perroquet. Mais... Non, je peux pas lui dire. Ça va lui faire de la peine. Je peux pas, Flip. Oh, mon sauveur! Madame Peccadi! Bonjour, mon petit fouille. Oh, vous devez être Flip. Oh. Antoinette Peccadi. Et je suis ravie de faire votre connaissance. C'est pas que je m'ennuie, hein, mais je dois partir pas plus tard que tout de suite. Oui, et ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer, Madame Peccadi. Et j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'être voisins dans une vie antérieure. Hein. Bonjour. Ah, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu garder Toctoche pour quelques heures. Et... pour vous remercier, vous témoigner ma gratitude, je vous ai rapporté ce petit quelque chose. J'ai cru que cela vous ferait plaisir. T'inquiète. Oh, oui. Je peux pas l'accepter, je le mérite pas. Oh, mais si! J'insiste! Si vous insistez! Quoi? Oui. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire à Madame Peccadi? Moi, non, pas du tout, non, rien. Oui. Ah oui, j'oubliais. Totoche me demande de vous transmettre ses salutations. Il m'a dit qu'il avait passé une excellente journée et que vous aviez été très, 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 très divertissant. Qui vous a dit ça, hein? Mais Totoche, il est à la maison, il fait la sieste. Il est venu me rejoindre dès qu'il a entendu mon pas dans l'escalier. Il était si fatigué, le pauvre petit. Totoche est à la maison. Bien sûr, Totoche est à la maison. Alors, puisque Totoche est à la maison, tout va bien, qu'il va très bien. Alors, vous aviez un petit paquet cadeau pour Popo. Oui, un paquet. Ha 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 ha